dans cette nouvelle semaine. Je suis installée là parce que je viens de vous tourner une vidéo sur la Stefuego de chez Shein. Je vous remets le lien de la vidéo en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. J'ai fait un petit make-up avec et puis c'était la première fois que je l'utilisais. Donc je voulais voir un petit peu avec vous ce que ça donnait. Je vais de ce pas tout de suite m'attaquer au carton qu'il y a derrière. C'est le carton de la Look Hero. Ouais, je crois que c'est la Look Hero celle-ci. Normalement la Click and Fish, je devrais la recevoir cette semaine. Donc je vais m'attaquer à ce carton tout de suite. Et je me suis mis en robe aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il n'y a pas que des hauts. Enfin bien souvent il n'y a que des hauts. Bref, on fera avec. J'ai un shorty, on fera avec. En attendant, je vous laisse. Si, je voulais vous dire. Pour celles qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, le vlog de la semaine dernière, là ça va beaucoup mieux. On est lundi, tout va beaucoup mieux. Chez les repris le boulot aussi. On est mieux. La gastro nous a lâché la grappe. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez vu les super boucles d'oreilles que j'ai, elles sont trop belles. Je les ai eues, c'est Au Soleil qui est la boutique de bijoux qui est à côté de Betty Mode. Elles sont vraiment belles, c'est un doré mat, vous avez une petite épingle à nourrice, des petites perles en bois, je les ai trouvées trop jolies. Je porte souvent des créoles mais là je sais pas, j'ai trouvé que celle-ci était très belle, donc j'ai craqué dessus. Donc n'hésitez pas à, si vous êtes du coin, parce que je sais que Melinda n'en voit pas je crois, mais si vous êtes du coin n'hésitez pas à passer chez Au Soleil, parce que vous pouvez faire des UV, vous pouvez faire de l'aquabike, vous pouvez faire vos ongles et vous pouvez aussi acheter des bijoux, des sacs à main, enfin il y a plein de trucs sympas. Donc voilà, en attendant je vais vous laisser, je vais ranger cela, tout ce que j'ai mis là sur la table, parce que j'ai essayé de ranger en allant parce que sinon c'est la galère, et je vais m'attaquer au colis Look Hero. Allez c'est parti mon kiki, je continue ma journée. Bon bah écoutez, c'est la foire dans mon salon. Je viens de tourner une vidéo Shein que j'avais reçue la semaine dernière. Il y en a partout. Donc je viens de me faire couler un petit café. Donc je vais prendre mon petit café tranquillement. Je vous ai tourné la vidéo Look Hero. Là je viens de vous tourner, je vous ai tourné 3 vidéos déjà ce matin, la vidéo make-up, la vidéo Look Hero, et là je viens de vous tourner la vidéo Shein. Donc vidéo Look Hero, j'attendais la Click and Fit pour coupler. Donc j'ai bien travaillé, il est midi 20, c'est plutôt bien. Je suis contente de moi, je suis fière de moi. J'ai reçu des bottines trop chouettes. D'ailleurs vous verrez peut-être ce vlog avant la vidéo, je sais pas trop. Comme ceci de chez Shein, mais malheureusement elles sont trop grandes. Donc je vais les recommander une taille en dessous. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais boire mon café tranquillement en faisant mon check-out. Bon, on en était où, vous et moi? C'était ma maman au téléphone et je sais plus où j'en étais. Bref, il est 1h-20, du coup j'ai bu mon café en parlant avec maman puisque on a parlé un bon petit moment. Il est 1h-20, je vais ranger un petit peu tout ce qui traînaille, je vais m'occuper de mon check-out Look Hero, je crois que c'était ça que j'étais en train de vous dire, et me préparer à manger, et après, je m'occuperai du montage du jour, parce qu'il faut au moins que je m'occupe du montage du jour, et cet après-midi, je m'occuperai des vidéos pour la semaine. Allez, c'est parti. Comment une copine arrive à me tirer les larmes? Je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo, attendez, je vais remonter la caméra pour éviter d'avoir à me pencher, je sais pas si vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, je crois que c'était cadeau de Noël, ou je ne sais plus, vous avez parlé d'une de mes copines, Karine, qui avec qui on va, pour celles qui me suivent, vous savez que je vais en vacances chez elle l'été, et elle m'a envoyé un petit quelque chose. Attendez, je vais changer la batterie, je reviens. Bon, du coup j'ai changé le pied, je suis assise, c'est plus évident. Je vous disais donc, ma copine Karine m'a envoyé, je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois que c'était idée cadeau de Noël ou je sais plus quoi. Karine c'est la copine, je vous l'ai déjà dit tout ça, bref je me répète, avec qui on va en vacances l'été, et elle fait des photos d'art, elle fait des photos macro d'art qui sont juste sublimes, sublimes, sublimes. Et ce matin je reçois une enveloppe et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai jamais vu, enfin je sais pas ce que c'est, j'ai rien commandé de particulier et tout, et j'ai reçu, je suis trop contente. Elle m'a tiré la petite larme et je me suis repris avant de vous prendre. Elle me dit, Hélène, merci pour le partage, mille bisous Karine. Donc j'ai un petit mot, je vous montre sa petite carte de visite qui est trop belle. Petite carte de visite comme ça, c'est une photo qu'elle a prise, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça après. Je vous remettrai son lien en barre d'infos, elle a une page Facebook où elle fait des trucs trop beaux. Et j'ai eu, elle m'a mis un petit mot là, gros bisous ma bichette. Donc elle me dit que faire attention avec le papier brillant parce que ça fait des traces de doigts, et que pour ça c'est un encadrement idéal, cadre noir 30-40 plus passe-partout noir. Je vais vous montrer ça, c'est juste sublime. En fait c'est la photo de sa carte de visite. Alors j'essaie de pas trop mettre mes doigts dessus, regardez-moi cette merveille, c'est juste sublime. Ça sous un cadre ça va être magnifique, j'adore, regardez-moi les détails, c'est juste magnifique. J'essaierai de vous trouver la photo et de vous la mettre juste après en image pour que vous la voyez mieux, mais c'est juste sublime. Et vous voyez derrière, c'est ce que je vous disais, hop,
En fait, ouf, je fais des bêtises. C'est marqué SK Photo et ce sont des tirages limités à 30. Donc celui-ci est le tirage numéro 6 sur 30. Donc si vous cherchez une photo d'art, un cadeau particulier à faire, je vous remets son lien en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller voir. Elle fait vraiment des choses sublimes, magnifiques et je suis trop contente. Merci ma Carinette, si tu passes par là, franchement. Ça m'a beaucoup touchée de recevoir ça. En plus tu m'en avais pas parlé ni quoi que ce soit. Donc voilà, ça me touche énormément. Voilà, comme ça je vous en reparle. Et ça me fait plaisir de vous en reparler. Aujourd'hui c'est ma copine la bouteille d'Evian, parce que j'ai pas bu assez ce week-end. Donc vive la... pas la cristalline, c'est l'Evian. Et je suis trop contente. Merci ma Carinette, t'es un amour. Je suis en train de me faire chauffer des croque-monsieur pour ce midi, j'ai faim là. Il est 13h05, j'ai faim. Je vais faire ça et puis regardons des petites vidéos YouTube. Manger, c'est des crocos aux chèvres. Donc je vais manger ça en regardant des petites vidéos YouTube et puis après je m'attaque au rangement parce qu'il y en a vraiment partout. C'est parti. J'ai dégommé ma bouteille aujourd'hui. Oui, c'est important. C'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de faire cuire du riz. Ce soir c'est riz, poisson et petits pois carottes. J'en avais envie comme ça et je pense que ce sera bien. On aura la dose de féculents, la dose de légumes et la protéine avec le poisson. Cet après-midi j'ai monté la vidéo pour cet après-midi. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai repris. J'ai fait pas mal de mails. J'ai fait du linge, accroché du linge et lavé du linge et accroché du linge. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bah, c'était déjà pas mal. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai fait des listes et tout pour les vidéos du mois de février. Enfin voilà, je me suis bien mise au point sur tout ça, donc ça c'est cool. Là, il est actuellement 19h55 bientôt. Chéri a appelé il y a 3/4 d'heure, je crois. Il devrait plus tarder à rentrer. Et puis voilà. Soirée tranquille ou bilou, je ne sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir. Si, lundi soir, c'est pas Patron Incognito. J'aime bien Patron Incognito, ça déprime mon chéri à chaque fois, mais j'aime bien Patron Incognito. D'ailleurs la dernière fois j'ai rigolé, il me dit est-ce que je vais aller mettre mon cul sur le radiateur. Oui, j'aime bien vous parler d'ici. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'ici d'ailleurs. Il me dit mais parce que en fait moi je regarde Patron Incognito le lundi et Qui veut être mon associé le mercredi. Et il me dit donc en gros il y a deux jours dans la semaine où c'est toi qui choisis. Je sentais le petit reproche et je lui dis oui il y a 5 jours dans la semaine où c'est toi qui choisis. Mais bon, pas l'air. Bref. Non mais j'ai encore une tête fatiguée ce soir. Ah, oh, je vais y arriver ou pas? Coucher tôt ce soir. Ouais, non, mais en fait, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, la télé. Je regarde, hein, mais choisir les programmes, choisir les films et tout ça, ça me gonfle un peu, en fait. Donc, en général, je ne choisis pas. C'est l'escalier. Je ne choisis pas, je laisse choisir et puis je me cale au programme. C'est pas quelque chose... En fait, les films et tout ça, c'est pas quelque chose qui me branche plus que ça. Moi je suis plus émission, vous voyez, Patron Incognito, un dîner presque, non pas un dîner, un Patron Incognito, Cauchemar en cuisine, Qui veut être mon associé, qu'est-ce qu'on a regardé aussi, tout ce qui est maison à vendre, recherche appartement ou maison, tous ces trucs là c'est mon trip, mais c'est vrai que le reste, bon, hier soir on a regardé un film, c'était quoi? Red Dingue, on a regardé Red Dingue sur TF1, c'était pas mal, on l'avait déjà vu mais il était pas mal, il est gentillé comme film. Donc voilà, ouais, je sais pas, bon, puis mon chéri est très vieux film, qu'est-ce qu'il a regardé? Un taxi pour Tobruk? Ouais je crois que c'est ça qu'on a regardé dimanche après-midi, un taxi pour Tobruk. C'est un vieux film et mon chéri est très 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 vieux film, les films d'Audiard et tout ça, il adore ça. Voilà. Je crois que mon oui a sonné, je vais aller voir quand même au cas où. Pas qu'il soit trop cuit parce que le riz trop cuit c'est pas très très bon. Et en plus j'en ai fait un petit peu plus pour en avoir pour demain. Alors moi j'aime bien le riz quand il colle mais Chouchou a horreur de ça. Je vais pas le faire collant. Faire attention quand vous faites ça parce que vous voyez la fourchette elle est bouillante. Et la dernière fois qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la fourchette directement dans la bouche. Ah non, c'est pas cuit. Ça va attendre encore un peu. Et donc, je disais, les petits pois carottes. Alors moi, je prends que ceux-là.
Les 15 grains comme ça, ils sont trop bons. Et d'ailleurs, tenez, je vois la boîte, donc je vais vous en parler. Ça là, les palmiers allongés Michel Augustin en cause. Alors ça existe à la framboise ou ceux-là qui sont juste au sucre un peu caramélisé. C'est trop bon, ça c'est trop trop bon. Franchement, j'ai acheté ça samedi quand je suis allée faire deux courses vite fait. Et on a adoré. Et ma maman, parce que quand elle m'a été me faire deux courses, je lui ai demandé des granola. Parce que chérie adore ça. Mais elle m'a ramené ceux au chocolat noir et mon chéri préfère ceux au chocolat au lait. Et malheureusement, moi je préfère ceux au chocolat noir. Voilà, voilà. Donc, va pas falloir que j'en mange trop. Hein. Petit peu. Un petit peu de temps en temps. Faut savoir se faire plaisir, mais pas trop souvent. Je me rends compte qu'il est déjà 11h et que j'ai pas ouvert le vlog. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai fait mon petit café. Enfin, ma petite rigorée. Et j'ai pas rien fait depuis ce matin. Hein. 9h30, on était au taquet et j'ai fait. Je vous ai préparé deux vidéos que je m'apprête à tourner. Vous avez vu le beau collier que j'ai. C'est le collier que Pascal m'avait envoyé, qu'elle a acheté sur son île à La Réunion. Et il est trop beau, c'est un arbre de vie. J'en porte rarement, mais je le trouve magnifique. Donc voilà, je l'ai mis ce matin. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous l'ai déjà dit, ça c'est pas grave. Il fait tout grisouille aujourd'hui. Autant hier, il faisait très beau, aujourd'hui, il fait tout grisouille. Donc je n'aime pas quand ce temps là. Vous le savez que j'aime pas quand le temps il est comme ça. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres pour tourner quand même, pour dire redonner un petit coup de peps à tout ça. Et je m'attaque à la vidéo. Bon voilà, j'ai filmé mes deux vidéos. Oui, j'ai changé mon pull. Je vais remettre l'autre après. Hein. C'est juste que je vous filmais une vidéo un peu Saint-Valentin. Donc j'ai été mettre mon pull avec des petits cœurs. D'ailleurs, il vient de chez Shein celui-ci. Il est trop joli. Oui, j'ai mon truc noir en dessous. J'aurais dû mettre un truc blanc. Mais bon, j'ai fait rapide pour vous filmer la vidéo. Midi moins le quart. C'est bien, j'étais productive. C'était deux petites vidéos, donc ça va. C'est au montage que ça va être plus long parce qu'il y a des trucs à insérer et tout. Voilà, voilà. Bon, allez, je m'active. Je vais monter la vidéo pour cet après-midi. Oui, je suis en flux tendu en ce moment, mais ça me va bien. Je vais monter la vidéo pour cet après-midi et puis je vais tenter de monter les deux vidéos là dans l'après-midi. Voilà, je vais faire ça. Aujourd'hui, je m'occupe des vidéos pour. Faut que je monte le vlog aussi pour demain. J'essaie de m'occuper un maximum des vidéos et demain, je m'occuperai plus de la maison. Voilà. Bon, bah écoutez. J'y vais, je vais monter. Et je me rends compte que ça fait un moment que je vous ai pas parlé de tenue du jour. Donc je vais vous montrer celle que je porte aujourd'hui. Rien de si fou, hein, mais je me sens bien dans cette tenue. Donc j'avais envie de vous la présenter. C'est un pantalon de chez Only que j'ai eu dans la dernière Look Liro. Qui est vraiment, vraiment bien. Je vous mettrai le code dans la barre d'infos. J'ai mis un petit top en dessous basique. Et j'ai mis un gilet. Alors je l'ai repoussé à l'arrière, donc il fait plus court à l'avant. C'est un gilet qui vient de chez Shein, qui est trop joli. Je l'ai en beige également. Et je vous montre après pourquoi je l'aime tant. Parce qu'il a un dos juste magnifique. J'ai un petit collier comme ça, arbre de vie, que Pascal, une de mes abonnées amies, m'avait envoyé, qui vient de son île, je crois que c'est la Martinique, qui est vraiment très jolie. J'ai mis des petites créoles simples, ma bague Emma et Chloé, et des petits bracelets tout bêtes. Donc voilà un petit peu pour la tenue. Au pied, j'ai mis des petites baskets comme ça, qui sont de la marque Finlay, avec un petit peu de doré et de pied de poule. Donc voilà, et je vous montre le dos. Enfin, j'essaie de vous montrer le dos, parce que c'est pas évident. Voilà le dos de ce pull. Alors forcément j'ai mon sweat, mon truc, mais attendez, j'essaie de faire en sorte. Vous voyez, c'est un dos avec plein d'étoiles. Il est vraiment très 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 joli ce dos. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait hyper sympa. Voilà. Bon allez, cette fois-ci je vais monter la vidéo. La vidéo du jour est en train de se charger sur YouTube. Ça c'est fait. Je prends mon trépied avec moi parce qu'on s'en va dans la chambre tous ensemble. Ça va faire beaucoup de monde dans la chambre. Je vais éteindre la lumière parce que je vais plus être par ici. Hop, attendez, je prends un sac. Je suis à vous tout de suite. Un ou deux. Je vais en prendre un déjà et je verrai après. Parce que je vais trier. Alors Birdie va pas être contente. Voilà. Miss Birdie, désolée, on va t'embêter un petit peu. Je vais trier tout ce qui se trouve dans ce meuble là, dans mes stocks, parce que j'ai des shampoings, il y a des produits que j'utilise pas, il y a plein de choses comme ça, et du coup je voulais trier ça pour remettre, c'est un de mes objectifs de cette semaine en fait, je veux remettre vraiment à plat tout ce qu'il y a ici et faire les choses bien pour repartir du bon pied. Je vais m'atteler à ça, donc je me pose, je me prépare, je vous mets sur trépied et puis on fait ça ensemble, ça vous tente? Allez c'est parti. Bon, me voilà assis par terre. Bon, j'ai mis un petit coussin sous les fesses quand même parce que... Sinon le sol est dur, ma brave dame. Je vais déjà regarder ce qu'il y a dans ces choses-là. Savoir s'il y a des choses
D'ailleurs, cette bougie, je crois que... Ouais, elle a viré, donc ça, je vais la mettre à balancer. Et ces boîtes-là, en fait, j'en ai plus envie. Donc, on va vraiment regarder ce qu'il y a ensemble. Donc, dans la première, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça, c'est une trousse. C'est une trousse que j'emmène quand je pars en vacances, en fait. Il y a des cotons, des petites lingettes dissolvantes de Sephora. Et de l'autre côté, on a des cotons-tiges, des cotons à ciseaux, un coupon. Enfin, voilà, des choses utiles. Donc, ça, on garde. On verra après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un nettoyant à pinceau, comme ça. Donc ça, je vais le mettre ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Mega Shine P2. Ça, c'est vide, donc poubelle. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Si, je sais, c'est quand je faisais mes faux ongles. Mais ça, faut que ça reparte en cuisine. Et il y a trois petits produits. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un mini, c'est quoi? Frosé. Un blush, un highlighter, un... je ne sais quoi, c'est un échantillon. Donc ça, poubelle également. Et des mini rouges à lèvres, il y a un mini Lancôme et un mini Yves Saint Laurent. Donc ça, je vais les mettre avec mes mini rouges à lèvres, ça n'a rien à faire là. Je vais les poser là pour l'instant. Donc la première boîte, elle est vide. Si je pouvais m'en séparer, ça m'arrangerait. Deuxième boîte. Alors, deuxième boîte. Putain. On a, alors ça c'est les petites pochettes Sephora Voyage, je ne m'en sers jamais. Dedans on a un miroir, une pince à épiler, il y a deux élastiques, une mini coupon, une mini lingette démaquillante, ça je vais le mettre de côté. Je vais le mettre dans le sac, j'ai pris un sac là, où je vais mettre tous des trucs que je ne vais pas garder. Ensuite on a une pochette comme ça, où ça c'était des trucs pour les ongles, il y a des patchs, il y a des strass. Des talonnettes transparentes, des lingettes, ouais, tout ça je peux garder quand même, ouais. Ouais, ça je vais le mettre de côté aussi, je verrai après. Alors ici, on a les vernis à ongles Marc Jacobs. Il y en a des très beaux, hein, mais personnellement, je m'en sers plus. Donc je pense que je vais les mettre en vente. Ça, je pense que je vais les mettre en vente. J'en ai 3, 4, 5, 6. 3 et 3, 6. Donc ça, hop, dans le sac, on verra après. Ça, c'est quoi? Peeling fluide émulsifiant pour cuticules de chez Dior. Ça ne doit plus être bon depuis le temps que c'est là-dedans. Ah si, ça m'a l'air encore bon, cette histoire. Non, c'est vachement liquide. C'était pas si liquide que ça. Donc ça, poubelle. Hop, j'aurais dû prendre un sac pour la poubelle. Une lime à ongles qui est périmée, poubelle, enfin qui est périmée, qui est plus deux trucs poubelle. Ça, c'est des trucs qui sont beaucoup trop vieux. Ça part à la poubelle aussi. Ça, faut que je vérifie. C'est une base de chez Dior, la Dior Lisse Abricot. Donc je vais le mettre de côté et je vais vérifier si c'est encore bien. C'est quoi ça? Travel Nail Polish. C'est une boîte. Allez, hop, on va mettre là-dedans. Sally Hansen, ça je vais le jeter parce que c'est vieux comme tout. C'était une cuticule pour nettoyer les cuticules. Mais c'est ouvert depuis trop longtemps. Une miniature de parfum Coach Dream. Elle est jolie, elle est pas jolie. Oui, elle est jolie. Je vais la mettre de côté, je vais la mettre avec ma miniature de parfum. Ça c'était le... Ça c'est nul comme tout. Le Jelly Jungle de chez Kiko. C'est un vernis comme ça, mais en fait c'est nul comme tout. Franchement, je vais le mettre pour ma maman. Si elle veut s'en servir, elle s'en servira. Sa poubelle, c'est périmé. Ça c'est quoi? Ah, c'est des... les compites comme ça. Oh, j'ai ma batterie qui clignote. Zut, va falloir que je me lève. C'est quand on a des... je vais le mettre là-dedans, avec les talonnettes. Des ampoules. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et là, c'est un truc avec des limes à ongles. Donc ça, on va le mettre de côté. La deuxième boîte est vide. Cool. Allez, on va les empiler l'une dans l'autre. Parce qu'elles peuvent s'empiler l'une dans l'autre. Ça fait gagner de la place. Et dans la dernière boîte, qui est plus grande. Hop. Alors... crème émolliante, en français c'est mieux, crème émolliante, retirée, visage et corps, peau sèche, du cré, hop, je mets pour donner. Ça c'est quoi? Ça va à la poubelle. La palette Crayola Beauty. Franchement, je m'en suis servie une fois et je la trouve pas au top quoi.
je vais la mettre dans le sac et je retirerai le sac après pour voir. Ça, c'est un shampoing soin, le petit olivier, mais clairement ça je peux plus utiliser, vous savez pourquoi. Un déodorant Dove, je vais le mettre dans les trucs à donner, je l'aime pas plus que ça. L'OVA kératine shampoing, alors faut que je regarde. Ah, zéro sulfate, zéro silicone, donc logiquement je serais susceptible de pouvoir l'utiliser. Antifreeze, pourquoi j'ai acheté un truc antifreeze, je suis pas antifreeze moi. Bon, écoutez, on va le mettre dans le sac, hein, je vais pas l'utiliser. Un masque neuf ultra doux parce que je les aimais beaucoup mais j'utiliserai pas. Une brume énergisante, très hydratante, dynamise la journée, Sephora, ça je vais pas l'utiliser. Ça c'est quoi, une lotion hydratante, ça c'est pareil, je vais pas l'utiliser. Timothée shampoing, pareil, on n'utilise plus. Là on a quoi là-dedans, là, on avait plein de petits produits à la poubelle, mais ils sont tous cassés, la binette. Ah, c'est des petits produits Aromazone, c'est vrai que moi je suis... Il y a de l'acide salicylique, du tea tree et de l'algozinc, mais ça personnellement je suis pas fan. Et on a de l'acide hyaluronique, ouais c'était ensemble en fait, tout ça c'était un kit d'Aromazone, ça moi je vais pas utiliser. Aquaero Baume Hydrate Encore, ça c'est pareil. Je pense que dans le sac je vais retrier des trucs, je vais vous faire un concours. Shampoing solide respire, ça je vais pas l'utiliser non plus, donc hop là dedans. Prout Bombe Plumping, un truc vitamine E, ça je vais le mettre là-dedans aussi. Une eau thermale, ça je vais le garder parce que c'est toujours utile. Brume d'eau apaisante, pchit, ça je vais le mettre là-dedans. Ça c'est quoi, Sephora gel crème sourcil. Bon, ça ça va aller à la poubelle. Hop, les petites miniatures de parfum, le savon, machin, je vais les mettre ici aussi. Ça, hop, on va le mettre là. Ça, je vais les remonter là-haut. Voilà, le parfum que je garde, je vais le mettre là. La petite boîte pour les cheveux, hop. Voilà, ici, hop, j'ai remis les produits de beauté. Donc, je vais les laisser là, tout ce qui est maquillage en stock. Je vais le laisser là, ça, je vais le mettre là. Je vais voir si c'est encore bon ou pas. Hop, ce qui me fait un tiroir vide, j'allais dire, mais non, parce qu'il y a mon style pro dedans. Est-ce que je peux pas... stocker plus intelligemment là en bas et mettre mon style pro ici. Ici. Voilà, on fait intelligent. Ça, les tiroirs sont plus libres et du coup il me reste un tiroir de libre. Ça c'est cool, je pensais avoir plus de produits ici, donc c'est cool parce que j'en ai pas tant que ça et ça c'est trop bien. Je vais remonter, je vais éteindre la caméra, remonter, remettre un peu d'ordre, un peu plus dans tout ça. Je vous montre après et on se retrouve après pour d'autres endroits où il y a des produits. Je vais trier ce qu'il y a là-dessus. Regardez-moi ce bordel, regardez-moi ce bordel. Sincèrement, est-ce qu'on y croit? Mon sac poubelle, il est où? Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à garder cet endroit nickel. Je me maquille, je range pas les trucs, tout est ouvert, tout est dans un état déplorable. C'est une catastrophe. Vous voyez, il y a même encore les paquets de... Quand je vous avais fait la vidéo sur le Magnifique, là, il y a même encore les paquets. Bref, alors, tous mes pinceaux, je vais les laver après. Donc, hop, je vais mettre tous mes pinceaux là-dedans. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais trier mes pinceaux parce qu'il y en a plein que je n'utilise. Vous ne voyez pas, hein. Vous ne voyez pas, c'est pas cool. Hein. Il y en a plein que j'utilise pas du tout et qui encombrent mon espace de travail, qui encombrent... J'ai franchement besoin de désencombrer en fait en ce moment parce que, je sais pas, c'est un besoin qui me prend là et il y a même des bijoux qui traînent là-dessus. De désencombrer mon espace pour désencombrer mon esprit en fait. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi ça me fait beaucoup de bien de désencombrer mon espace pour désencombrer mon esprit. Bon écoutez, je vais pas vous infliger le tri de tout ça, je vais trier, hey, on se retrouve. C'est mieux, non? Oui, bon, je sais, il n'y a plus rien. C'est forcément mieux, il n'y a plus rien. Donc j'ai tout trié, tout rangé, tout dépoussiéré, et là je suis en train de dépoussiérer. Est-ce que je vais arriver à mettre... Ouais, je crois que c'est bon.
Donc ça, vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai dépoussiéré un maximum. C'est les serviettes comme ça que j'utilise sur mon plan de travail quand je me maquille pour que récolter les poudres. Mais celle-ci, il faut que je la change. Allez, nettoyage, nettoyage. Ça, c'est un set de bureau. Enfin, un plan de bureau là que j'avais eu chez Action. Il est en style marbre. Et ça protège bien le bureau de... les cochons du maquillage, parce que l'air de rien, je sais pas vous, mais ici ça tâche quoi. On a beau protéger, si ce truc là il est taché, à la limite je m'en fous, je vous dis. Encore quand bon, moi c'est blanc, c'est noir, donc clairement noir c'est plus évident, mais quand vous avez du blanc, le fond de teint et tout, et je sais pas si vous allez voir là, vous voyez là. Il y a des petites taches, je sais pas si vous allez les voir. Les petites taches, c'est un fond de teint de chez Yves Saint Laurent que j'avais pendant un moment. Et un matin, je sais pas ce qu'il a foutu. Et quand j'ai voulu en mettre sur mon pinceau, il a giclé là-bas. J'étais dégoûtée. Oui, je fais le coin de mon meuble aussi parce que voilà, on va donner un coup sec. Hop. On va recentrer la bête, mais il y a du monde là en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Attendez, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Entre mon dressing et mon bureau, il y a une place et il y a des produits qui sont tombés. Je sais pas où je... Ouh. Je vous maltraite aujourd'hui. Hein. Bon, je vais essayer d'aller récupérer ça. Allez. Une boîte à bagues Swarovski. Hop. Comment je fais pour aller récupérer ce qu'il y a là-bas tout au fond, moi? C'est une catastrophe. Bon, alors lui on va le recentrer parce qu'il n'était pas centré du tout. Hop. Hop. Un petit coup. Ouh. Je sais pas si vous avez pu voir, mais j'ai failli faire tomber mon miroir. Ah la vache. J'ai eu un coup de chaud là. Vous voyez, en fait, c'est un miroir comme ça qui vient de chez Ikea. Attendez, je l'éteins. Un miroir comme ça qui vient de chez Ikea, et en fait on l'a monté à l'envers. Logiquement, vous voyez, il doit y avoir les deux ergots là qui sont en bas pour tenir le miroir, et un en haut. Mais quand on l'a monté à l'envers comme deux cruchons qu'on était avec chez à l'époque. Et ce qui fait que bah, faut que je fasse très attention quand je le nettoie, parce que le miroir se casse la goule. Du coup, j'en profite pour donner un petit coup sur le miroir et un petit coup tout autour puisque le miroir est enlevé. Hop. Je sais pas s'il existe encore ce miroir, mais franchement il était pas mal. Va falloir que j'aille chercher du sopalin parce que mon truc là il est plein de poussière et ça n'est plus. Bon, c'est mieux non? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est beaucoup mieux. J'adore ma chaise, c'est une chaise qui venait de chez Maison du Monde, je crois que son petit nom c'est Louise, mais je suis pas certaine. Donc j'ai tout bien rangé et trié, donc là c'est les produits que je me sers au quotidien pour me maquiller. Là c'est où je mets mes mini beauty blenders, mais ils sont pour laver. Là c'est tous mes pinceaux, enfin mes pinceaux, non du tout, les pinceaux ils sont à laver, les pinceaux sont là d'habitude. Les mascaras, les crayons à lèvres, les rouges à lèvres que j'utilise en ce moment, donc voilà. Il y a des pots vides aussi, celui-ci c'est pour mettre normalement d'ailleurs, je ferais bien de faire l'inverse. Ça c'est pour mettre les cotons-tiges, il faudra que j'en rachète. Et ça c'est un cadeau qui m'avait été offert par une abonnée qui, avec qui j'ai fait un partenariat. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est mieux, non? C'est beaucoup mieux. Bon, je vais aller laver mes pinceaux. Ça sera mieux. Je vais éteindre cette lumière. Et du coup, j'ai rangé là aussi.
J'ai trié des palettes, donc ça c'est mes parfums du moment. On a le Do Not Drink de chez Sephora en mandarine matcha. On a l'Aqua Allegoria Bergamote Calabria de chez Guerlain qui sent trop bon. Narciso Rodriguez, c'est le poudré, je l'adore. Et on a bien sûr mon magnifique parfum, le Daisy de chez Marc Jacobs, son édition limitée pour les 10 ans. Il est sublime, il est sublime, il est sublime. Et là c'est La Vie est Belle, mais je ne le mets plus, mais j'aime bien. Voilà, donc là je vais aller laver tout ça, parce que c'est à faire. Je vais mettre de côté tous les pinceaux que je ne me sers pas une fois qu'ils seront lavés pour vous faire à l'eau sur Vinted. Et c'est parti. Allez, je vais prendre. Hop. Je prends le Style Pro. Une fois que tous mes pinceaux seront lavés, je vais venir les ranger et du coup je rangerai tout ça. Bon. Je vais pousser les pieds parce que sinon Birdie va me dire je peux pas me coucher. Allez, je vous laisse, je vais laver bon, mes pinceaux. Voilà, pinceaux lavés. Je vous montre. Tous mes pinceaux sont lavés, donc je l'ai fait avec le Style Pro là. Moi j'aime beaucoup laver avec ça. C'est un truc qui tourne en fait quand vous mettez un embout et ça tourne et ça lave vos pinceaux. Et moi j'aime beaucoup. Donc là je suis en train de les trier. Donc là je mets ceux que j'utilise jamais, là je vais mettre mes pinces aux yeux et là mes pinces au teint. Donc je vais trier ça et puis je vais remettre ça dans la chambre. Et après l'effort, le réconfort, c'est un petit peu de liberté grecque là, liberté yaourt à la grecque, nature avec une demi-banane, un kiwi et un café et trois amandes. Voilà, bon, c'est pour mon le vlog est monté, il est 19h50. Chérie a toujours pas appris, donc je pense qu'il va pas rentrer très tôt ce soir, c'est pas grave. Attendez, j'éteins mais j'allume après. Hein. On se retrouve dans le noir. Hop, je vais allumer des petites lumières. Déjà ça va mieux. Et attention, hop, voilà. Bon, ce sera lumière jaune, mais on fera avec. Hein. Je m'installe dans mon canapé pour répondre à vos commentaires parce que je ne l'ai pas fait du tout la semaine dernière et que j'ai du retard. Voilà, je vais répondre à vos commentaires le temps que Chéri appelle et pendant qu'il revient. Et ce soir, c'est pâtes avec jambon et une petite sauce avec un petit reste de fromage à raclette qui me reste. Voilà. Allez, bonne soirée, à demain. Coucou les chouquettes, comment allez-vous en ce mercredi matin? Moi ça va très très bien. Ouais, la santé, le moral, la santé, tout est revenu. Enfin la santé, elle n'était pas partie loin, hein, mais c'est vrai que quand on a une gastro et tout, la fatigue après, c'est un petit peu compliqué. Non, tout est revenu, je suis en pleine forme ce matin, donc c'est cool. Il est 10h bientôt, j'ai fait cuire des amandes ce matin pour ma maman parce qu'elle m'en a réclamé. Donc voilà. Et je vais vous montrer la tenue du jour parce que je l'ai fait sur Instagram ce matin et je suis trop fan de cette tenue. Et il y a petite Birdie qui me colle au basque parce qu'elle sait qu'on va chez Mumi. On va aller chez Mumi. On va aller voir JB. Oui. Faut attendre un petit peu encore. Oui, faut attendre un petit peu encore. Allez, je vous montre la tenue du jour. Voilà la tenue du jour. Mon mari m'a dit ce matin, tu es trop classe. Voilà, maintenant elle pleure. Alors, c'est une robe chemise tunique. Alors, eux, ils appellent ça un manteau que j'ai vu sur Shein. Je l'adore. Vous l'avez vu dans la vidéo de lundi, vous. Parce que je suis en décalage d'une semaine. Elle est trop belle, trop trop bien. Franchement, c'est trop sympa. Les boutons sont des boutons pression. Donc, ça, c'est cool aussi parce que vous pouvez les mettre, les défaire comme vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fermé complètement jusqu'en haut parce que j'ai mis un petit top noir en dessous. Le petit legging simili cuir comme ça, ça vient de chez Courbe en Valeur. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a un simili cuir mat et il fait pas trop de bruit par rapport à d'autres. Les petites bottines comme ça, ça vient de chez ces chaussures, je les avais eues l'année dernière, je sais pas si elle en a encore, mais au cas où, vous pouvez toujours demander. Je vous mettrai les liens des personnes que je cite en barre d'infos et le lien de cette robe Shein en barre d'infos également. Et au niveau des bijoux, j'ai mis mon collier Hélène qui vient de chez Amulette. Le petit collier bleu là, ça vient de chez Amulette. Je sais pas, j'aime bien aimer l'association du bleu turquoise comme ça avec le camel de la robe. Et j'ai un long sautoir également turquoise comme ça que j'avais eu dans la box je sais plus le nom, vous savez, c'était une box dont je vous ai parlé à Noël là. Et des créoles. Et à mon doigt, j'ai une bague comme ça qui vient de chez Emma et Chloé. De l'autre côté, c'est une autre bague qui vient de chez... Je crois que c'est Caprice Futile celle-ci. Et des petits bracelets qui viennent de chez Au Soleil. Voilà un petit peu la tenue. Alors en fait à l'arrière elle est comme un... C'est comme un trench en fait, vous avez une ceinture. Donc je l'ai bouclée à l'arrière. Et j'aime beaucoup 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 l'effet que donne cette tenue. Franchement je trouve ça hyper sympa. Elle est ouverte jusque là. Mais ça permet de bouger et tout. Bon j'aurais pu la repasser certes. Mais j'aime beaucoup. Voilà, il y a petite Birdie qui passe. Et puis je me suis rappelée de ces petites chaussures là que j'ai pas encore mis cette année. Mais avec la robe c'est exactement la même couleur. Ça fait vraiment très joli. Voilà, je suis trop...
trop fan de ma tenue aujourd'hui. Et pour le maquillage, je vais essayer de me mettre devant. J'ai ressorti la palette Naked Reloaded et j'ai fait un petit make-up comme ça. Avec une teinte qui est un petit peu comme la robe et je l'ai trouvée trop jolie. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc si vous entendez quand je marche, c'est le legging. Mais franchement, c'est celui que j'ai trouvé qui faisait le moins de bruit. Donc ce matin, j'ai ressorti la Naked Reloaded comme ça. Attendez, je vais mettre sur le lit pour l'ouvrir. Hop. Et donc, je me retourne. Excuserez, ce fard là part en cacahuète, mais bon voilà. J'ai utilisé ce fard là qui est le Buckhead en creux de paupière. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci qui est le Endgame en bas, sous la peau, sous les yeux, je sais plus comment on dit. En ras de cils, voilà, c'est ça. En ras de cils inférieur, j'ai utilisé celui-ci et en coin externe. Ensuite, j'ai mis celui-ci, le Bride, en coin interne. Et après, j'ai utilisé cette couleur-là, le Boundary, sur ma paupière mobile. Et franchement, elle est vraiment top, cette palette. Hein. Ça fait un moment que je n'avais pas utilisé. Je l'aime beaucoup, c'est celle-ci. Une petite birdie qui est intéressée. Donc voilà. Comme j'ai tout retrié hier. Eh ben, je me suis dit ce matin, je vais... Je disais donc, comme j'ai tout retrié hier et que j'avais tout rangé mes palettes, je me suis dit que ce matin, j'allais me servir de celle-ci. Et quand c'est rangé, on se sert plus des choses, ça c'est clair. Sur les lèvres, il faut que je remette un petit peu, j'avais mis... mais j'ai déjeuné entre temps, donc il est un petit peu parti, j'en ai pas mis beaucoup. Un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent et c'est la teinte 209. Je crois que c'est caramel furtive. Attendez, je vais remettre un petit peu avec vous. Ah! Du coup, vous voyez Birdie. Hop, vous savez, c'est les rouges à lèvres qui sont carrés comme ça. Elle est magnifique, cette teinte. Ça fait vraiment un comment on appelle ça? Comme un camel, en fait. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, comme je vais pas forcément... Si, je vais porter le masque où j'allais à la boulangerie. Mais après, je vais pas porter le masque chez ma maman ni quoi que ce soit. Donc voilà, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'association et tout. J'adore. J'adore cette tenue. Et franchement, quand on range, on y voit plus clair. Hein. Je me suis maquillée ce matin et tout. Et j'ai re-rangé derrière. J'ai pas laissé traîner. Vous pouvez le voir, j'ai pas laissé traîner. Voilà. C'était juste ce que je voulais vous dire. Non, franchement, je sais pas, c'est la vidéo d'hier que j'ai sortie. Écoutez son corps, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir cette vidéo. Je sais pas pourquoi, il y a eu un déclic qui s'est passé suite à la sortie de cette vidéo. Quand je l'ai tournée, je me suis dit non, je vais pas la mettre parce que je sais pas, j'avais un peu d'appréhension à mettre cette vidéo en ligne. Et puis je l'ai fait quand même, je sais pas pourquoi, je l'ai fait quand même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai répondu à vos commentaires hier soir, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup dans mon cas. Et que vous aviez très bien pris cette vidéo en fait. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait comme un exutoire et je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc voilà. Par moment, ça tient à peu de choses, une vidéo placée, un truc comme ça, et puis on se sent mieux, et puis voilà. Mais il faut oser le faire, et par moment, on n'ose pas forcément, mais par moment, il faut oser, quoi. Donc voilà. Ah, il y a beaucoup de voilà ce matin, je crois. Bon, bah écoutez, ce que je fais là, c'est que je vais pas tarder à aller chez ma maman. Il est 10h05, donc je vais pas tarder à partir. Je vais attendre un petit peu encore que ces amandes refroidissent pour les mettre dans un sachet pour les emmener. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Et cet après-midi, j'essaie de m'occuper de ma maison un petit peu, de faire du linge, etc., etc. Donc, je l'ai pas dit, mais vous l'avez dit pour moi. Je suis rentrée de chez ma maman et il y avait mon colis Click and Fit qui m'attendait derrière le portail. Oui, derrière le portail. Vous avez bien entendu. J'ai horreur de ça. Alors, je crois que c'est colis privé qui a livré. Il me semble. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Non, c'est Colissimo. Donc, j'ai le facteur qui m'a acheté ça au-dessus de mon portail, alors qu'il sait très bien qu'il peut le laisser chez ma voisine. Bref. En plus il était à moitié ouvert parce que le scotch a été mal mis, donc s'il avait plu, bah tout a été mouillé. Je vais m'installer pour vous filmer ça et puis je vous retrouve. Voilà, j'ai déballé pardon, la Click and Fit. Mais Click and Fit, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, c'est quoi la couleur de cette veste là? Sincèrement,
Vous avez vu la couleur de cette veste? C'est pas beau, hein. Ça me fait penser au papy, ça. Techniquement, c'est pas possible. Par contre, j'ai eu des belles petites pièces. Alors, je pense que vous verrez la vidéo Click and Fit demain par rapport à vous aujourd'hui. Donc, je vais pas vous en dévoiler plus, mais suivez la vidéo de demain parce que vous verrez le Battle Look Hero Click and Fit demain. Donc, voyez ça. Enfin, demain pour vous, à l'heure où vous voyez cette vidéo, parce que pour moi, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, 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 je vais faire tout de suite mon retour, comme ça ce sera fait. Je vais allumer le PC pour faire le check-out et c'est parti mon kiki, je continue ma journée. Donc j'y suis et que j'ai la caméra à bonne hauteur, je voulais vous montrer, j'ai reçu ma commande Aya Ibiza et j'ai commandé, il est trop beau. Il est trop beau, j'espère que je vais passer dedans, normalement oui, mais il est trop beau. J'ai reçu ce pantalon, j'ai craqué sur ce pantalon à fleurs, il existait en fond bleu ou en fond gris. Et je l'ai trouvé trop beau en fond comme ça. Je pense que mis avec un long pull noir et tout, ça peut faire trop sympa. C'est celui-ci était à 35 euros, mais franchement, c'est un pantalon fin. Hein, c'est un pantalon pour la saison là qui arrive. Il est sublime. Bien sûr, je vous ferai des tenues du jour avec et tout. Il faut que je l'essaye, que je vois s'il va. Mais j'adore. Ensuite, j'ai pris... J'ai pris une robaya. Alors je sais pas si vous connaissez les robayas, mais moi j'adore les robayas, j'en ai déjà deux ou trois. Ce sont des robes comme ça qui sont mi-longues, qui vous pouvez porter en tunique ou en robe, c'est comme vous voulez. Il y a un col V et en fait c'est tout en plissé comme ça et ça a tombé sublime. Les voiles, les manches sont en voile comme ça et celle-ci je l'ai trouvée jolie. Pareil, elle existait en plusieurs coloris, mais j'ai bien aimé ce coloris là. Je trouve que mis avec un petit legging et tout, ça peut être sympa. D'ailleurs j'ai pris un legging avec dans la commande, je vous le montre après, qui pourrait faire très joli avec un legging simili. Je pense que ça peut faire sympa. Celle-ci était à 39. Et le dernier article, c'est un legging simili cuir chocolat. Non, c'est pas un simili cuir. C'est un legging suédine en fait. Ouais, si, c'est un simili quand même. Il fait un effet suédine, mais c'est un simili. Un simili chocolat comme ça. Oh, il est petit. Ouais, non, c'est très extensible. Donc ça passera sans problème. Voilà, il est comme ça. Il est trop beau. J'aime beaucoup. C'est un peu le même principe que celui que je porte aujourd'hui. C'est quelque chose qui va bien monter sur le ventre et tout, qui va bien englober. Et ça, c'est hyper sympa. Et ceux-là, je crois qu'ils étaient à 15. De mémoire, ils étaient à 15. Et vous voyez, je me dis que la petite robe avec ça en dessous, ça peut être trop sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour ma petite commande Aya Ibiza. Je vous montrerai sur Instagram et tout, des tenues portées et tout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je le dis souvent, je le dis pas souvent d'ailleurs, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon lien Instagram est toujours en barre d'infos. Sinon, je vous remets là mon pseudo, c'est HélèneLCOOO. Et pourquoi OOO? Tout simplement parce que quand je voulais HélèneLC, c'était déjà pris. Donc j'ai mis, enfin s'il m'a proposé OOO, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir un petit peu mes tenues du jour. J'ai des stories permanentes avec toutes mes tenues du jour que je laisse en story permanente. J'ai un encart code promo où je mets tous mes codes promo, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilou. Et pour la... Bah, je peux vous montrer la tenue du coup. Regardez comment c'est trop joli. Avec le petit simili cuir et tout, c'est vraiment sympa. Ouais, je suis trop fan de ma tenue du jour. Ma maman m'a dit que ça m'allait super bien. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai rigolé parce que je vous ai... vous avez dit qu'à Noël, j'avais offert à ma maman le Jimmy. C'est un laveur un peu comme celui-ci, mais il est un petit peu différent. Et je devais vous faire une vidéo dessus. Et la marque me... C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, j'avais pas le temps, etc. Et la semaine dernière, je devais le faire, j'ai eu la gastro. Je vais vous faire la vidéo. Ma maman devait vous expliquer ce qu'elle en pensait. Et c'est vrai que la marque m'a relancé. Donc je devais faire cette vidéo et j'ai pris ma caméra tout à l'heure pour faire la vidéo. Et en fait je pensais mettre un petit passage dans ce vlog, mais ma maman a tellement parlé, elle était tellement à fond dedans, que du coup je vais vous mettre une vidéo spéciale. Donc normalement vous l'avez déjà vu avant ce vlog, parce que je vais la publier moi mardi prochain. Et vous, c'est la vidéo que vous avez vue avant. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, parce que sincèrement ma maman, elle était à fond dedans. Je lui ai dit, t'es une vraie youtubeuse. Elle m'a fait trop rire. Elle était vraiment à vous expliquer tout, machin et tout. Elle m'a fait trop rire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, franchement, allez la voir. Je vous la remets dans le petit courant la vidéo à un moment, et je vous la remets en barre d'infos. Mais sincèrement,
pour elle, allez la voir et laissez-lui un petit message parce qu'elle m'a fait trop rire. Voilà, bon allez, je vais ranger tout ça, je vais me faire un petit café, je vais faire mon check-out click and fit et après je vais attaquer autre chose. J'ai essayé la robaya, savoir si elle m'allait bien, mais regardez, même avec la tenue que je porte aujourd'hui, portée en tunique avec un simili et les petites chaussures que j'ai, ça fait une tenue trop géniale. Alors je dirais jusqu'au 48 voire 50 grand max parce qu'après c'est au niveau des bras que ça va coincer, parce que clairement à ce niveau là vous voyez il y a largement de la place. Et au niveau de la doublure, alors attendez, je vais la mettre bien. Vous voyez, si vous êtes en taille 34-42, elle tombera bien, sinon elle tombe plus haute. Mais bon, ça, il y a le voile qui passe au-dessus et tout. Mais moi, je les prends vraiment pour les porter en tunique. Quoique non, puisque j'en ai une autre comme ça avec des têtes de mort que j'avais portée avec un collant opaque. Et ça faisait complètement l'affaire. Mais franchement, cette robe, elle est trop belle. J'aime beaucoup la longueur et tout. Et vous voyez, même avec une tenue comme ça, ça donne un petit coup de peps à la robe. Et je trouve ça très joli. Donc voilà. C'était juste parce que je l'ai passé pour l'essayer que je voulais vous la montrer. On se retrouve, mon linge est repassé, c'est fait, je suis tranquille, c'est rangé dans l'armoire et tout. J'ai fait mon tri dans ma armoire comme à peu près tous les mois. J'ai accroché une lessive, j'ai remis une lessive en route et je suis plus habillée pareil parce que je sais pas, j'ai enlevé ma chemise pour le laver, pour repasser parce que j'avais trop chaud et je ne sais pas où je l'ai foutue, donc je pense qu'elle est partie dans la salle de bain. C'est pas grave, je me suis mis un pull, un grand pull, pull robe, je suis très à l'aise. D'ailleurs ça va très bien aussi avec avec ma tenue, je vous montre. Voyez, rapidement, c'est un long pull tunique comme ça, c'est bien aussi. Là, ce que je vais aussi faire, c'est voilà, que je vais trier les bijoux que j'avais reçus dans la Opal Bijoux. J'avais tout mis dans un sac et là je vais les trier, les ranger et trier aussi les bijoux qui sont là. Voilà, tout ça pour les ranger dans la chambre à l'endroit où il faut. Donc voilà, je me réapproprie ma maison petit à petit cette semaine et ça fait beaucoup de bien d'avoir un peu plus de temps pour soi et pour sa maison. Donc je mets toujours des petits bonbons dans la coupelle au milieu pour mon chéri quand je reçois des colis. Donc là j'ai vu que j'avais des trucs comme ça, des foulards, je vais les trier, enfin je vais les ranger et tout. Je me mets des petites vidéos YouTube en fond et je vais faire mes petits tas pour ranger tout ça. C'est parti. J'étais en train de trier mes bijoux et je me suis dit, il y a une lumière orangée dans la maison, regardez. Ah, ça va pas donner pareil. C'est juste sublime. Attendez, j'essaie de vous faire. C'est plus orangé, moi, normalement, mais c'est juste sublime. Ce temps-là, regardez-moi ces nuages et tout, c'est magnifique. Je vais essayer de faire une photo avec mon téléphone et je vous la mettrai si c'est mieux. La lumière que donne le coucher de soleil ce soir, c'est juste sublime. Ça devient tout rose, regardez. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est vraiment ce que je vois, moi. C'est juste magnifique. J'adore. Ah non, mais en fait, vous êtes trop choupette. Il est 18h30. Le vlog doit être en ligne le mercredi à 17h30. Et je me pose 3 minutes devant mon PC pour regarder mes mails. Et je vois que j'ai des messages. Du coup, je regarde mon téléphone, je regarde Instagram et je vois que j'ai des messages. Je regarde les messages et il y en avait une d'entre vous qui me dit, c'était il y a 10 minutes, le vlog est pas en ligne ce soir. J'ai dit, oupsie, j'ai oublié. En fait, j'y ai pensé à 14h, quand je, enfin à 13h quand je suis rentrée de chez ma maman. Je me suis dit je vais le faire et puis je me suis mis sur le PC, j'ai fait autre chose. Et puis après j'ai repassé, j'ai fait du rangement et tout et tout. Et j'ai complètement oublié. Heureusement que l'une d'entre vous est venue me le dire. Donc j'ai fait mon truc, j'ai fait ma miniature et tout. J'ai fait mon, enfin, j'ai fait ce que j'avais à finir de, pour la mise en ligne. J'ai mis en ligne et je retourne sur Instagram et là vous étiez 5. À me dire, mais il est où le vlog? Il est où le vlog? Donc voilà, c'est fait, c'est bon, c'est réparé, c'est en ligne. Désolée pour ce petit contretemps, j'ai totalement oublié. C'est rare, mais ça m'arrive. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop mignon de vous inquiéter, de savoir pourquoi le vlog n'était pas en ligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben rien, juste ça en fait. Faut que j'aille mettre mon colis click and fit dans la boîte aux lettres. Je vais y aller tout de suite parce que j'ai fait en, vous savez, la poste retour balle. C'est-à-dire que vous mettez votre numéro de colissimo et puis le facteur passera le chercher le lendemain dans votre boîte aux lettres. Donc faut que j'aille le mettre tout de suite parce que sinon je vais l'oublier. Comme ça ce sera fait. Et puis voilà. Ben écoutez. Et puis après, faut que je regarde ce que je vais faire à manger. Ouh, la lumière. Faut que je regarde ce que je vais faire à manger ce soir. En attendant, tous mes bijoux sont rangés. Il n'y a plus rien là-bas. C'est vide. Voilà. Bon, ça, c'est des
truc à cheveux que mon mari m'a demandé. Donc voilà, là c'est vite, faut que je m'occupe de mes plantes aussi. Il y a plus de... Si, il y a un collier qui traîne au niveau du... Il y a plus de collier qui traîne au niveau du... Du buffet, il y en a un parce que je l'ai mis là parce que j'ai rangé un peu le buffet et il était dessus. Mais sinon, je suis bien contente. J'ai fait pas mal de choses cette semaine. J'aurais préféré faire plus de choses aujourd'hui. Mais clairement, j'ai profité de ma maman ce matin. Donc, il y a des priorités dans la vie. Hein. Donc voilà, je suis contente de ma semaine. De mon début de semaine. On est mercredi, donc dans le milieu de semaine, je suis contente de tout ce que j'ai fait. Encore demain, vendredi. Et puis après... Coucou. Comment allez-vous en ce jeudi matin? Moi, ça va plutôt bien. Je suis, il est 11h-20 et je suis depuis 9h30 dans le bureau, je bosse. Je ne sais pas pour ce matin parce que j'étais au taquet, je me suis dit j'y vais. Tant que j'ai le moral, tant que j'ai la gouaille on va dire. Je suis en train de me faire couler un petit café, j'ai pris 3 petites amandes pour grignoter ce matin. Donc voilà, j'ai reçu mon deuxième colis Shein. Oui je sais, je vous en ai tourné un lundi mais il y avait des trucs qui sont un peu chevauchés avec des campagnes et tout. Donc je l'ai reçu mais je vais pas m'en occuper tout de suite, je m'en occuperai, je verrai bien peut-être demain si j'ai le temps. Ou en cet après-midi mais la journée est assez costaud donc je pense que je m'en occuperai pas là. Bon, tout en attendant que mon café finisse de couler, ma cafetière fait des siennes en ce moment. Elle a du mal à couler, elle a du mal à être au taquet. Hein. De toute façon, le colis Shein, je ne vais pas vous le mettre tout de suite, étant donné que vous allez en avoir un lundi et que derrière... Attendez, c'est tout, j'arrive. Voilà, c'était tout flou. Je disais donc le colis Shein, je ne vais pas vous le mettre tout de suite, puisque vous allez avoir une vidéo lundi et que... après, je ne sais pas, je le mettrai courant de la semaine d'après. Je pense donc pour vous, si vous regardez ce vlog mais le mercredi, vous l'aurez la semaine prochaine, dans une semaine à peu près, voilà comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire, on verra bien. Bon, allez, je continue mon boulot et je suis sur ma compta de janvier 2022. Donc c'est parti, vous avez vu ma belle chemise, elle est magnifique. Bon, on est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Il est 11h52, donc c'est bien dans mon programme, je suis pas mal. Je vais pouvoir monter la vidéo du jour juste après. Oui, je suis en flux tendu, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'avais à faire ce matin, donc ça c'est cool. J'ai vu, parce que mon chéri a passé une deux commandes d'outillage samedi. Il y en a une, on a pu la payer directement et tout, il n'y a eu pas eu de soucis, payer par carte et tout machin. Bref, on l'a reçu hier et l'autre, c'était soit Paypal, soit virement. Et pour la société, on n'a pas Paypal, donc on a choisi virement. Le souci, c'est que depuis, je n'arrive plus du tout à accéder à mon historique de commande et j'ai reçu aucun mail de la société. Donc du coup, je viens de les appeler pour voir un petit peu ce qui se passait. Le monsieur m'a dit qu'ils avaient eu des petits soucis, donc il essayait de regarder ça et qu'il me tenait au courant. En attendant, bah, écoutez, on va voir. Hein. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en face. Vous savez, je suis en face de l'école et il y a... Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, j'essaie de vous montrer. Vous voyez là? Là, là, c'est un mât de grue. Je sais pas ce qu'ils foutent. Il y a des espèces de camions en bas et tout. Et c'est haut, hein. C'est vachement haut, hein, puisque... Attendez, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, l'école en face, elle est quand même assez grande. Et regardez, le mât, il est au-dessus de la... L'école est deux étages et tout, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'ils cafouillent. Elle est jolie, l'école, hein. Non, je ne sais pas du tout ce qui cafouille. Depuis ce matin, mon cher, en partant, m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc. J'écoute, je n'en sais rien. Oui, au passage, il faudrait que je fasse mes Velux, mais bon, c'est pas la priorité. Il faudrait déjà que je fasse mes fenêtres en bas. En priorité, ce serait déjà pas mal. Ah oui, il faut que j'imprime un bordereau. Tant que je suis là, je vais le faire. C'est quoi déjà? Oui. Bon allez, je vous laisse, je finis ce que j'ai à faire. Je vous prends, il est très tard puisqu'il est 20h35. J'ai fait plein de choses aujourd'hui, je suis bien contente. Pas ce que je voulais faire, mais j'ai fait plein de choses. Ce matin, je vous l'ai dit, j'ai fait de la compta et tout, j'ai fait mes remises de chèques, mes relances clients, machin, tout ça c'était fait. Ce midi, j'ai monté deux vidéos. Enfin, une vidéo ce midi, la vidéo qui était pour demain. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai... non, la vidéo qui était pour ce soir d'ailleurs, donc c'était bon.
Ensuite, en début d'après-midi, je suis partie à la banque pour déposer une remise de chèque. J'avais une course à faire quelque part, donc j'y suis allée également. Je suis passée chez Betty Mode dire coucou aux filles. Ça fait du bien de retrouver l'ambiance magasin. Voilà, donc on a regardé un petit peu les nouveautés avec Karine. On a fait plein de choses, on a bu un petit café et tout. Donc c'était hyper sympa. En rentrant, je suis passée au point relais parce que j'avais des colis à récupérer. Donc c'est fait. J'avais acheté sur Vinted, je vous disais donc, mon crayon à sourcils de chez Sephora, le Bobro, parce que, alors Sephora, je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je n'arrive pas à commander sur le site. À chaque fois, il faut soit aller chercher un magasin, soit être en livreur, et les livreurs ne viennent pas, enfin en coursier, et les coursiers ne viennent pas jusque chez moi. Donc je les achète sur Vinted et ça me revient moins cher, donc ça me va très bien. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait une deuxième qui m'avait accepté de me le vendre à 4€, donc je vais recommander l'autre, comme ça j'en ai d'avance et c'est vraiment un crayon que j'aime bien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai été chercher aussi je vous en parlerai demain. J'ai reçu des... je vous en parlerai la semaine prochaine. Ouais, je pense que je vous en parlerai la semaine prochaine. J'ai reçu des articles au trésor de Lynn. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait autre chose. Mais je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai déballé, moi? Il y avait ça. Ah oui, un colis de dress code, mais malheureusement le t-shirt ne me va pas, mais pas du tout. Enfin, la chemise ne me va pas, mais pas du tout. Elle est beaucoup trop petite, donc faut que je contacte. J'attends un deuxième colis. Donc je vais contacter Stéphanie et voir si je lui renvoie ça tout de suite ou si j'attends d'avoir l'autre pour voir un peu. Donc on va voir ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et j'ai pris des petites fleurs chez mon fleuriste. Parce que mon relais colis, c'est mon fleuriste. Donc je lui ai pris des petites fleurs, mais je vous les montrerai demain parce que je vous montre rapidement. Regardez, tout est là en carton. Mais je vous montrerai ça plus attentivement demain parce que je dois refaire un petit peu, demain ou ce week-end, parce que je dois refaire un petit peu le tour de mes plantes parce que j'en ai qui sont mortes. Et puis voir un petit peu comment je les bouge et tout ça et tout ça et tout ça. J'ai pas chaud ce soir moi. Ouh, pourtant il fait bon dans la maison. Non, j'ai pas très chaud. Et si je mettais mon cul sur le radiateur? Oh, on est bien là comme ça. Je crois qu'il faut que j'appelle le livreur de fioul parce que je crois qu'on est à la limite de où on peut aller. Faut qu'on voit ça avec Chérie et que j'appelle pour qu'il livre la semaine prochaine. Je pense qu'on peut encore tenir jusqu'en début de semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce soir, vous savez qu'on est jeudi, donc le jeudi soir, Chérie rentre toujours assez tard. En général, 21h30, 21h45. Donc là, j'ai encore un petit peu de temps. Et donc oui, en fin de journée quand je suis rentrée, j'ai monté la vidéo pour demain, j'ai monté la vidéo pour lundi qui est le haul Shein, ça prend un temps de fou. Et je viens de m'apercevoir, oui, je le savais en plus hein, que j'avais encore la vidéo Look Hero Click and Fit pour la semaine prochaine à monter, mais bon ça je verrai ça demain, c'est pas bien méchant. Donc voilà, j'ai mon planning de vidéo de février qui commence à bien se remplir, donc ça c'est trop cool. Et voilà. Écoutez, j'ai eu des petites propositions de partenariat qui avaient l'air assez sympathiques. Vous verrez, c'est des nouveautés box. Donc j'ai accepté parce que j'aime bien vous présenter des box aussi. Et des nouveautés box, ça peut être sympa. Il y a une box pour la maison et une box un petit peu différente. Je vous parlerai de tout ça, qui va faire très plaisir à Chérie. Et puis, voilà, je viens de finir de monter ma vidéo Shein en fait. Ça prend un temps fou et en plus avant je pouvais prendre directement les photos sur le site en faisant, vous savez, enregistrer l'image sous, mais maintenant je ne peux plus, il faut que je fasse un copier écran et que je le mette sur un logiciel pour prendre la photo. Donc c'est un petit peu chiant les gars, mais c'est pas grave, ça prend un petit peu plus de temps. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis sinon, bah écoutez, rien de particulier. Ce soir au menu, c'est tarte au fromage avec du jambon. Et ce sera bien comme ça. Le jeudi soir, en général, on fait un truc hyper rapide parce que Chérie rentre tard. Et puis après, voilà, on n'a pas super faim quand on mange tard comme ça. Demain au programme, faut que j'aille sur Amiens impérativement parce que je voudrais passer chez Yves Rocher. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo Yves Rocher. Par rapport à des nouveautés qui sont arrivées et tout et tout. Je viens de regarder un petit peu sur le site. Je vous avouerai que tout ce qui est fond de teint, ils ont sorti un nouveau fond de teint, un nouvel anti-cerne et un nouveau mascara qui ont l'air super top. Par contre, ce que je voudrais, c'est tester les teintes, quoi. Parce que j'ai franchement peur sur le site de me planter. Et bon, c'est pas donné non plus, hein, c'est à 29€ quelque chose le mascara, je crois. Enfin, le fond de teint, tout ça. Donc, je vais regarder si j'ai pas, vous savez, les offres promo qu'on reçoit.
Je vais regarder si j'ai pas ça dans mes tiroirs. Et bien souvent non, parce que je les jette si j'y vais pas Yves Rocher. Au pire des cas, j'irai voir à Yves Rocher demain. Et il faut que j'aille acheter des croquettes pour ma birdie. Et il y a sa petite tête qui a fait quoi? Les croquettes pour birdie? Oui. Des croquettes pour birdie. Birdie veut manger des croquettes? Faut attendre que papa y rentre. Bah oui. Oui, je lui dis qu'il faut attendre que son père rentre parce qu'en fait, quand il rentre, il joue toujours un petit peu avec elle et je veux pas qu'elle ait mangé avant de jouer. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, plus rien de particulier à vous dire aujourd'hui. Je pense que ce vlog va être un peu plus long que ceux d'habitude. Et pour celles qui sont pas loin de chez Betty Mode, je vous conseille, à l'heure où vous verrez ce vlog, je peux vous en parler. Je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour au magasin. Il y a une grosse surprise qui va vous attendre. Donc n'hésitez surtout pas parce que franchement, la surprise, elle est géniale. Voilà, je n'en dirai pas plus, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais la surprise, elle est géniale. Je pense que la semaine prochaine, je prendrai mon caméscope et je vous emmènerai avec moi et tout et tout, et vous verrez tout ça. Mais en attendant, la surprise, elle est hyper top. Voilà, plein de choses vont changer. Vous allez voir, tout va rester plein. Il y a des choses qui vont changer, mais vous inquiétez pas, vous retrouverez toujours les mêmes choses niveau fringues, etc. Il n'y a aucun souci. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, rien en particulier pour là maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me démaquiller, me changer, faire un petit pipi, me mettre en tenue de maison, un pull et puis un... Vous savez, les corsaires là, qu'on appelle... Ouais, un corsaire, on appelle ça un corsaire. Ils appellent ça les capris chez Eman parce que moi, je les achète que là-bas. D'ailleurs, il faut que j'y retourne pour faire un petit stock parce que... Je crois que j'en ai plus que deux et j'adore. Les longs, je supporte pas les leggings en fait. Les leggings jusqu'aux chevilles, je les supporte pas. Le soir, chez moi, je préfère avoir un truc au genou. Bref, c'est pas au-dessus du genou, vous savez, c'est mi-mollet quoi, on va dire. Et j'aime bien ça quand je suis chez moi le soir. Ou le week-end et tout, quand on fait rien de particulier. Donc voilà, c'est mes tenues de détente en fait. Et puis après, pour dormir, moi je mets une misette, je dors pas en pyjama, j'aime pas ça, il faut de l'air. Voilà, bon bah écoutez, cette fois-ci c'est sûr, je vous laisse, je suis contente d'avoir retrouvé ma pêche, ma forme, mon move, parce que franchement la semaine dernière c'était très très compliqué quoi, même en début de semaine là c'était encore un peu coussi coussa, mais là je suis très contente, j'ai retrouvé ma pêche, je suis en pleine forme, je pète le feu, j'ai envie de faire plein de trucs et d'avoir été voir les filles cet après-midi, ça m'a encore plus donné la pêche, enfin voilà, c'est... Comment vous dire, c'est un univers où je me sens bien, c'est un univers où je suis bien. Et en plus de ça, c'est les, enfin, que ce soit Karine, que ce soit Betty, que ce soit Melinda qui tient au soleil pour faire les ongles. Et d'ailleurs, elle fait de l'aquabike également, elle a des aquabikes et elle fait des UV, si ça vous intéresse. Les gens qui travaillent là-bas sont toujours très agréables et ça fait super, super plaisir de les voir. Et voilà, c'est un petit moment de bonheur à chaque fois, donc c'est cool. Voilà, bon bah écoutez, cette fois-ci je vous laisse, c'est certain, je vous fais plein de bisous. Birdie, est-ce que tu veux faire un bisou aux abonnés? Faire un bisou aux abonnés? Qu'est-ce qu'elle est belle, ma Titi. Voilà, oh, il fait des bisous à maman, oui. Allez, je vous laisse et je vous fais plein de bisous et on se dit bah, demain. Comment allez-vous? On est vendredi, il est 13h10, alors 13h10, heure complètement... bizarre pour moi, vous savez que le vendredi ça fait quelques semaines que je suis pas allée chez les amis parce que la maladie, les machins, les trucs, les bidules, bref, et je devais y aller aujourd'hui, il y a 15 jours il y avait un cas contact donc j'y suis pas allée. La semaine dernière j'étais malade et cette semaine je devais y aller, mais j'ai reçu un message dans la matinée comme quoi ils étaient encore cas contact parce qu'un de, enfin son belle-sœur avait le Covid. Bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai été partie sur Amiens quand même parce que j'avais des choses à faire. Je suis passée chez... J'étais à plein d'endroits différents en fait. Je suis passée déjà chercher des croquettes pour ma birdie. Donc ça s'est fait, c'est encore dans le coffre, chérie, s'en occupera tout à l'heure. Je suis passée chez Kiko, je suis passée chez... J'en ai profité pour aller à Géant, au centre commercial Grand A. Donc je suis passée chez Kiko, je suis passée chez Yves Rocher puisque vous me l'avez demandé plusieurs fois. J'ai pris des petites choses, je vous montrerai après. Je suis passée chez Comptoir de Mathilde. Je suis passée chez Action parce que du coup j'ai eu le numéro de l'appel entre deux, donc je me suis dit bah, j'ai le temps. Finalement je vais aller chez Action et en revenant je suis passée faire des courses. Voilà, bien productif. Là du coup je me suis pris un petit sandwich à la boulangerie, je vais manger mon sandwich et puis je vous retrouve... J'ai mangé, il est 14h. Je vous montre la tenue du jour? Ouais, allez.
Un petit moment de tenue du jour, c'est parti, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Mon bébé, ce matin, j'ai mis un jean Destroy comme ça qui vient de chez je ne sais plus où, c'est un Hello Miss. Alors je me demande si c'est pas un jean que j'avais eu chez Lolita Guyot, mais je ne suis pas certaine, je peux pas vous dire. Le top, c'est un top que j'ai eu chez, alors celui-ci, je ne sais plus d'où il vient. C'est celui avec des étoiles au coude, je crois qu'il vient de chez Hirondelle, c'est celui qui a une poche là. Voilà, il est très sympa, j'ai mis mon petit collier birdie, des créoles et roule ma poule, c'était bien. Et mes baskets amour haine de chez Bon Baiser de Paname. Donc vous voyez, voilà. Rien de bien transcendant, vraiment du basique, mais ça m'allait très bien pour aujourd'hui, pour ce que j'avais à faire. Vu que je suis rentrée plus tôt et que j'ai beaucoup plus de temps, parce qu'en général je rentre il est 16h et que j'ai moins de temps devant moi. Et là je suis rentrée plus tôt et du coup je me dis que le colis Shein que j'ai reçu hier, je crois que je vais le déballer tout de suite. Comme ça ce sera fait et je n'aurai plus à le faire la semaine prochaine et j'aurai plus que mes montages vidéo à faire. Donc je pense que je vais faire ça, je suis en train de me faire de la place sur ma table, je vais ranger le PC pour pouvoir tout étaler et puis je m'y mets, je m'y colle, c'est parti. Je crois que j'ai retrouvé ma forme complète, je n'ai jamais été aussi productive qu'aujourd'hui, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Je vous ai tourné la vidéo Shein comme je vous l'avais dit et je viens de vous tourner la vidéo sur de la Sweet Homebox. Alors je pense que vous verrez cette vidéo bien après ce vlog, donc je vais pas vous en parler tout de suite, mais ou peut-être avant, je ne sais pas bien, enfin bref, si vous l'avez vu, vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, elle arrive. Je suis hyper contente de ce que j'ai reçu, sincèrement, ça sent juste ça là, l'eau de Montpellier Arthur Dupuis en Noobs. J'en ai mis deux sprays dans l'air et ça sent mais divinement bon. J'adore cette odeur. Faut que je me renseigne là-dessus. Je vous remettrai bien sûr le lien de la vidéo en Sweet Unbox en barre d'infos si elle est déjà sortie. Et je vous redonne mon code puisque j'ai un code promo 20% sur la première box qui est Hélène20. Mais je vous remets tout ça en barre d'infos. Mais franchement, cette box, elle est très 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 jolie. D'ailleurs, vous voyez juste... attendez. Là. Là. Il y a une petite bougie. Attendez, je vous la mets. Hop là. Regardez comment c'est mignon. C'est beau, hein. C'est très beau, c'est très très beau. Bon, est-ce que je vous montrerai pas ce que j'ai ramené tout à l'heure? Ouais, allez, je vous emmène avec moi. Allez, je vous emmène avec moi. Avec le trépied, il y a un soleil là depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qui lui arrive à lui. Mais en plus, quand j'ai commencé à tourner ma vidéo Shein, il faisait tout gris, il pleuvait. Attendez, j'essaie de vous remettre droit. Et tout d'un coup, il s'est mis à faire soleil. Oh bah du coup, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir rester assise comme ça et vous montrer les choses. Donc, je vous disais donc que j'étais passée à plusieurs endroits ce matin. Alors, je me tâte à vous parler de ce que j'ai pris à Action ici ou d'en faire une vidéo. Je pense que j'en ferai une vidéo. Je suis passée au comptoir de Mathilde. Alors, comptoir de Mathilde, c'est une histoire pour moi parce qu'on a découvert le comptoir de Mathilde à Tulette, tout près d'Avignon. Quand on était en vacances avec mes parents à Saint-Maurice-sur-Aigue. D'ailleurs, il y a une de mes abonnées à l'époque qui allait habiter, enfin qui doit habiter à Saint-Maurice-sur-Aigue. Je ne sais pas si tu es toujours là ou pas. Si tu es toujours là, fais-moi un petit coucou. Et donc, il y a un magasin, le comptoir de Mathilde, qui s'est ouvert au centre commercial Grand A à Amiens, donc à Longo. Et j'y suis passée tout à l'heure à côté. Et du coup, bah, j'ai fait des petits craquages. Alors, je vous montre ce que j'ai pris rapidement. Parce que je connais les produits et je sais que les produits sont trop bons. Et du coup, elle m'a ouvert une carte de fidélité et puis elle m'a offert un petit calepin. Voilà, c'est un petit carnet très joli, tout blanc à l'intérieur, mais c'est mignon. Enfin, une aventure qui n'aura pas de fin. Oh, c'est mignon, c'est rigolo. Voilà, il est mignon. Donc ça, c'est sympa. Je trouve que c'est un geste sympa quand on ouvre une carte de fidélité d'offrir ça. J'ai pris 3 petites pâtes à tartiner. Alors les pâtes à tartiner, le comptoir de Mathilde, les gars, si vous ne les connaissez pas, je vous conseille de les essayer parce que franchement elles sont trop trop bonnes. Donc j'ai pris des pâtes à tartiner noisettes. Je l'ai pris en blanc noisette, comme ceci. Je l'ai pris en noir noisette. Et je l'ai pris en lait noisette. Alors le lait noisette, je pense que c'est celle préférée de mon chéri. Le blanc noisette, je voulais goûter. Et le noir noisette, moi je l'adore. Elles sont à 4,99€ le petit pot. Et vous avez, et j'ai pris également ceci parce que je pense que ça peut plaire à chéri. Alors ils font du sucré mais ils font du salé également. C'est la moutarde du monde New York. Donc c'est un pot de 100 grammes. Les autres aussi c'est des pots de 100 grammes. Oui, 100 grammes. Donc c'est celle-ci. Alors il y a plein de moutardes différentes. Et celle-ci, c'est une moutarde. J'ai lu ça, la préparation culinaire à base de moutarde au ketchup saveur fumée. Donc écoutez, ça se garde combien de temps ouvert ça?
à conserver à température ambiante, à conserver au frais après ouverture et à consommer rapidement. Donc je vais pas l'ouvrir pour l'instant parce que je sais pas quand est-ce qu'on va commencer à la manger. Mais franchement, et ça, ça valait 5,99€. Donc voilà un petit peu pour le comptoir de Mathilde. Franchement, je suis très contente de mes petits achats, ça va faire plaisir à Chouchou. Donc voilà. Et je suis passée chez Kiko, mais pas que, puisqu'à l'intérieur il y a Yves Rocher. Et je sais pas si vous avez vu, bah, par contre le centre commercial Grand A Amiens, pour celles qui connaissent, il y a plein de magasins qui ferment, quoi. J'ai vu qu'il y avait, vous savez, en face d'H&M. Alors ça, il y en a qui vont dire, Hélène, on connaît pas ton centre commercial. Mais ceux qui connaissent, en face d'H&M, il y avait un, je crois que c'était Minelli pour les chaussures. Bah, j'ai vu que c'était fermé. Il y avait plein de cartons, je sais pas s'ils étaient en train de refaire un truc ou pas. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui ferment. On avait aussi Sauce Train Grain, il a fermé aussi. Et j'ai vu que la chaise longue allait fermer également. Et qu'est-ce que j'ai vu qui allait fermer également? Oh, je ne sais plus. J'ai vu un autre magasin, c'était marqué... liquidation totale avant machin, mais je ne sais plus quoi. Bref, et je suis passée chez la chaise longue et j'ai pris ceci. Alors ça, ça valait vachement le coup parce que... attendez, j'essaie de vous trouver le ticket de caisse correspondant. Ah, alors il était à moins 70%, je crois qu'il était à quasiment 25€ et je l'ai eu à 7,49€. Et vous savez, c'est un truc comme ça là. Et comme je veux changer quelques petites pièces de ma déco... La semaine prochaine, je pense qu'il faudra que j'aille à Auchan. Parce qu'ils ont un magasin où il y a plein de trucs Atmosfera qui est plutôt pas mal. Et donc là, attendez, je vous l'ouvre. Donc c'est du bois plastique. Ouais, c'est du bois. Et ça se présente comme ça. Et vous voyez, vous, hop, vous appuyez, vous faites passer. C'est trop mignon. Donc vendredi, on est le combien aujourd'hui? Vous savez combien on est? Parce que moi, je sais pas. Le 4 et février, voilà, vendredi 4 février et tous les matins vous appuyez. Je trouve ça trop sympa sur un bureau, sur quoi que ce soit. Je trouve que l'idée est bonne et en objet déco, je trouve ça mignon. Après c'est tout noir basique, mais j'ai trouvé l'idée et l'objet déco trop mignon. Donc voilà, et puis pour le prix, franchement ça valait le coup. Voilà ce que j'ai pris. Ensuite je suis passée chez... Je sors tous mes petits tickets... J'essaie de trier. Il y avait que ça et ça, je crois. Oui, je suis passée chez Adopt voir leur dernière solde parce qu'en général, les bijoux en solde chez Adopt sont plutôt sympas. Là, malheureusement, j'ai trouvé qu'un petit collier que j'ai trouvé trop chou et il était à moins 70%. Donc, c'est un petit collier comme ça avec un petit cœur et un petit strass. Donc, normalement, il est à 13,99€. Et là, il est passé à 4,19€. Donc, voilà pour ça. Et alors, contre toute attente, j'ai trouvé qu'ils avaient des dupes du Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko que j'utilise tous les jours. Et là, ils appellent ça les Color Shadow Ultimate 24h, fard à paupières stick waterproof tenue 24h. Et ils l'ont en noir. Donc, écoutez, j'en ai pris un. C'est exactement la même chose avec une pointe large. Celui-ci, il était en promo aussi. Normalement il est à 6,95€, il est passé à moins 70% et il est tombé à 2,08€, donc ça se présente comme ça. Et donc vous avez une mine noire, c'est exactement la même chose que le Kiko. Je vais le swatcher, alors rentre-moi ta mine pour pas la casser. Mais franchement, en plus j'ai racheté un Kiko tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose que le Kiko, quoi. Donc écoutez, je testerai ça en vidéo parce que j'ai d'autres choses à vous tester là-dedans, donc je vais tout laisser dedans. Voilà, ça c'était pour Adopt. Voilà, et ensuite chez Kiko. Alors attendez, je trie parce qu'il y a des choses. Attendez, je suis à vous. Alors chez Kiko, en solde également. Alors j'ai pas les prix non soldés, donc je suis désolée. J'ai pris mon Long Lasting Eyeshadow Stick de chez Kiko en teinte noire. Oui, je peux vous le montrer celui-là, je le laisserai sur mon truc pour vous montrer que c'est quasiment identique. Le Adopt, le Kiko, vous voyez, c'est quasiment les mêmes crayons. Et au niveau de la mine, le Kiko est plus rond. L'autre, il a une mine plus... Et est-ce qu'il est plus noir ou pas? Le Kiko est un tout petit peu plus noir. Là, vous avez le Adopt et là, vous avez le Kiko. Le Kiko est légèrement plus noir. C'est peut-être pas flagrant à la caméra, mais il est légèrement plus noir. Et peut-être légèrement plus crémeux et un petit peu plus brillant. Donc je testerai ça de toute façon, hop, voilà. Chez Kiko, j'ai pris un pinceau comme ça, parce que j'adorais le Ice de Champ chez Kiko, mais malheureusement, ils ne le font plus.
Donc elle m'a conseillé d'essayer celui-ci. C'est le pinceau numéro 58 et c'est un pinceau estompeur. À voir. Ça n'a pas du tout la même forme, mais leur pinceau estompeur, je l'aime pas. Le pinceau qui ressemble au S200. Donc écoutez, j'essaierai celui-là, on verra bien ce qu'il va donner. Et je me suis pris cette palette-là que j'ai trouvée trop mignonne. C'est la Charming Escape. Alors, je ne vous ai pas donné les prix. Le long lasting, c'est 4,89€. Le pinceau, c'est 7,69€. Ils étaient en promo aussi. Et la palette, je l'ai payée 11,50€. Donc voilà. Alors, je ne sais pas quelle. C'est la collection Charming Escape. Je me demande si mon concealer que j'utilise habituellement, c'était pas Charming Escape. Par contre, non mais regardez-moi ce packaging, quoi. C'est magnifique. Vous avez vu l'oiseau, c'est en relief et tout. C'est trop beau. Derrière, c'est tout simple. Et la petite palette, elle est comme ça. Des teintes très neutres avec un petit peu de rouge. J'aime bien mettre ces teintes-là en ce moment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo avec cette palette. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et ensuite, rapidement, parce que je vais vous faire une vidéo à ce sujet. Vous m'avez beaucoup demandé de retester le make-up de chez Yves Rocher. Donc, je suis passée chez Yves Rocher. Et je me suis expliquée avec la vendeuse. Hein, je lui ai dit que j'étais influenceuse et que vous m'avez beaucoup demandé de retester les produits Yves Rocher. Et puis, elle me dit, c'est vrai qu'avant, ils étaient plutôt mal vus. Et on a eu un peu de mal avec ça. Et maintenant ça redevient bien et sincèrement j'ai swatché la palette dans le magasin, je me suis dit mais waouh, qu'est-ce que c'est que ces phares. Donc j'ai pris cette palette là, je vous montre rapidement la palette et après je vous montre pas en détail parce que, donc la palette j'ai pris, donc c'est dans les toutes nouveautés, c'est la palette Land Ambré, c'est celle-ci, elle existe en deux teintes cette nouvelle palette. Et regardez-moi les fards. Alors comme ça, vous allez me dire, ils sont assez basiques. Mais alors quand j'ai swatché le petit beige là, je pense que il est ici et il est quand même assez pigmenté. Donc voilà pour ça. Rapidement, alors il faut que je garde mon ticket de caisse Yves Rocher dedans parce que sinon, j'ai pris également une poudre de soleil pour faire le make-up. J'ai pris une poudre libre. J'ai pris un petit blush. J'ai pris un fond de teint, donc j'ai choisi la nouveauté, donc c'est le fond de teint plein éclat, fond de teint 10 heures anti-pollution, révélateur de lumière, et j'ai pris l'anti-cerne, pareil de la nouvelle collection, donc c'est l'anti-cerne haute couvrance lumière, comme ceci. Et pour finir, j'ai oublié un produit lèvres, bon c'est pas grave, pour finir j'ai pris un mascara, alors ils disent volume et longueur, comme ceci. On verra ce qu'il donne. Et en cadeau, j'ai eu un masque hydratant oxygénant peau normale à mixte. Voilà un petit peu pour ça. Donc tout ça, je vais le laisser dans le petit sac. Comme ça, avec le ticket de caisse. Comme ça, quand je vous fais la vidéo, tout est là, tout est bien. Et j'ai plus qu'à prendre le sac. Je vais ranger tout ça parce que là, il y en a partout. J'arrête pas de faire des vidéos et de pas ranger entre temps. Donc il y en a vraiment, vraiment partout. Donc je vais aller ranger un peu tout ça. Il a l'air de mieux tenir que le Kiko, le... À voir, mais il a l'air de mieux tenir que le Kiko. Bon, bah écoutez, je pense que moi, je vais aller filmer mon haul action, comme ça, ce sera fait. Et puis après, bah, une fois que tout sera filmé et tout, je n'aurai plus qu'à tout ranger. C'est parti. Et je me dis, je pense qu'après je n'ai plus grand chose à vous dire. Je pense que ce vlog va être déjà très très long parce que je vous ai beaucoup parlé cette semaine. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette semaine. Et derrière il n'y a plus aucun respect. Hein. C'est pas parce que j'ai dit que je voulais finir qu'il faut couper comme ça. Oui, donc je disais, je vais vous laisser là et puis je vous souhaite une excellente semaine à l'heure où vous regardez ce vlog. Si la semaine a bien commencé, bah, tant mieux. Si elle a mal commencé, j'espère qu'elle finira bien. En attendant, je vous fais plein de bisous et au passage, j'ai été passer un petit coup de lingette, enfin un petit coup d'eau pour enlever le Kiko est parti, mais le Adopt est resté. Donc le Adopt est bien waterproof. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, passez une excellente semaine, merci d'avoir regardé ce vlog, à très bientôt dans d'autres vidéos et à la semaine prochaine dans un autre vlog. Mouah.